Il n'y a personne qui nous dit « fais pas ci, fais pas ça ». Avoir le droit de grimper, utiliser des outils, des clous et des grosses pièces de bois sans se faire réprimander, c'est le nouveau concept du parc Lab Aventure. Avec une glissade puis un baril, on peut faire une fusée. Avec une palette, on peut faire un auto de course. C'est ça la liberté finalement, c'est de prendre ce qui est dans notre environnement puis de le transformer dans quelque chose qui nous intéresse sur le moment. Voilà une table. Le parc Lab Aventure sort des sentiers battus. À l'intérieur, on y retrouve un simple espace dégagé qui permet aux enfants d'exprimer leur créativité avec plusieurs objets recyclés. On revient un peu à la base du jeu, à l'idée que les enfants, si on leur donne la possibilité de créer, ils vont le faire. Un moniteur est tout de même sur place pour assurer la sécurité des jeunes. Par contre, aucun comportement n'est désapprouvé. Nous, notre but, c'est d'intervenir sous forme de questions au lieu de les réprimander. Donc, au lieu de leur dire « non, fais pas ça », on y va sous forme de questions. On leur demande « te crois-tu capable de faire ça? Est-ce que tu te sens en équilibre pour monter cet objet-là? » Bon travail, bon travail. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, Québec.